Alors, bienvenue à tous, merci à vous d'être ici parmi nous. Alors, en fait, c'est censé être une masterclass, donc nous, on était venus pour faire un concert, donc on va quand même vous présenter un petit peu les instruments, histoire de faire correspondre l'intitulé à ce qu'on vous propose. On va le faire au fur et à mesure, on vous parlera aussi de nos inspirations, qui sont un peu spécifiques, puisque la ligne directrice, en fait, de notre projet musical, c'est globalement le Nord, spécifiquement la Scandinavie. Encore plus spécifiquement la Suède, la Norvège et l'Islande, en fait. Et Léonore, on a cette chance, et moi j'ai cette chance tous les jours, d'avoir une grande spécialiste de la Suède. Et là, nous allons vous proposer donc cette fois-ci une composition, mais ça tombe bien, c'est une composition d'Éléonore en plus. Thank you.
Le morceau qui va suivre s'appelle Harmen Formen. Harmen Formen, c'est donc de l'elfique et du haut elfique exactement, parce qu'il faut, il faut être précis, ils n'aiment pas quand on est un petit peu approximatif. En haut elfique, en Quenya, ça veut dire nord-sud, Harmen Formen. Pourquoi ? Ben, je pourrais m'arrêter là et vous laisser découvrir le morceau qui va suivre, mais je vais vous donner quand même un petit tuyau. Les instruments dont nous allons vous jouer avec Eleonore sur ce présent morceau sont les instruments qui sont tous les deux des instruments suédois. Le nickel harpa ténor, c'est bien ça, pour Eleonore, et le sistre basse nordique en ce qui me concerne, Harmen Formen, le paradoxe en musique. Thank you.
Le morceau que vient de jouer était une composition de Guy Dick, et on continue avec une autre de ses compositions. Thank you.
Alors, les instruments que je joue s'appellent des nickelharpa. Ce sont des vielles à archer, donc d'origine suédoise. C'est un instrument qui naît au Moyen-Âge, sous une forme beaucoup plus réduite, juste une caisse de résonance en forme de 8 avec des ouïes en forme de cœur. Et puis juste une corde mélodique, une chanterelle et deux cordes de bourdon avec un chevalet plat. Donc on est déjà sur un instrument à bourdon. Et puis juste une rangée de touches avec voilà, une douzaine de touches. Composition qu'on va vous présenter maintenant qui s'intitule Munin. Munin est un des deux corbeaux du dieu Odin. Et Odin, dans la mythologie scandinave, c'est le dieu des dieux. Et Odin envoie tous les matins ses deux corbeaux parcourir les vastes mondes scandinaves. Il y a 9 mondes dans la mythologie nordique. Thank you.
Merci beaucoup. On va vous interpréter une chanson qui parle, comme beaucoup de chansons populaires, ça raconte la vie. Ça raconte l'amour, la mort, les désillusions, voilà, toutes des anecdotes croustillantes. Et celle-là parle d'amour et de mort. Elle dit « Un jour, quand je serai mort, les gars viendront sur ma tombe et me diront quelle fille m'a aimée. » Voilà, tout simplement. Une chanson populaire suédoise suivie d'une danse, une composition de Gaïdic.
Et là, on va vous jouer une polska qu'on appelle une slang polska, qui vient du sud de la Suède, qui est normalement une danse très, très régulière. Les trois temps sont réguliers, ce qui n'est pas toujours le cas selon les régions. Et on va enchaîner avec un air islandais, un vieil air islandais, qu'on a appelé Ragnarök. Donc Ragnarök qui est, dans la mythologie nordique, l'effondrement du monde scandinave. Voilà, un jour il y aura un élément déclencheur qui précipitera les mondes scandinaves vers l'effondrement, le chaos total, le Ragnarök. Thank you.
un morceau qui s'appelle « The Dead King », « Le roi mort », et qui évoque, en quelques mots et en quelques notes, en fait, le sort qu'ont subi beaucoup de divinités nordiques lors de la christianisation de la Scandinavie. Une grande prairie, un arbre, peut-être un frêne, parce que le frêne, c'est un arbre très important aussi dans le monde nordique, et un corbeau qui surplombe la plaine et l'herbe ondoie devant, et voilà, il est fier, conquérant et à sa place. Thank you.
parmi toutes les créatures que rencontrent les deux corbeaux, il y en a une qu'on appelle Stromkarlen. Stromkarlen, qui est l'esprit de la rivière, l'esprit de l'eau, qui est représenté mi-homme, mi-bouc, un buste d'homme et des pattes de bouc et des cornes de bouc. Thank you.
un morceau qui s'appelle « Auré » et qui est une composition.